Le croissant de Monsieur Copé. Le Copé de la stigmatisation. Le croissant de Monsieur Copé. Vous laissez la place. Voilà. Parce que M. Jean-François Copé, ce pestiféré de l'UMP, n'a pas cessé d'insulter, de stigmatiser la communauté. Et nous avons décidé de fabriquer ce croissant au chocolat et nous l'avons appelé le Copé. C'est du racisme et c'est une politique contre les principes de la République et la laïcité. C'est pour ça que nous le dénonçons. À toutes les fêtes, il y aura ce gâteau fabriqué par les familles musulmanes et distribué gratuitement à l'ensemble des voisins, quelle que soit leur confession et quelles que soient leurs origines. Je trouve que c'est une très bonne réponse. C'est drôle, c'est amusant, les gens mangent et ça fait fête, je trouve, au lieu de répondre à la radio sur le même style. Parce que c'est tout juste idiot ce qu'il a dit, il n'y croit même pas, je pense. C'est juste pour faire un coup, pour avoir des points au sondage. Et là, je trouve que c'est une très très bonne réponse. C'est pas du même niveau, c'est décalé et c'est intelligent. Pour une fois, on va montrer ça, que les musulmans savent répondre autrement que par le sérieux et par la dénonciation et les plaintes. Pour nous, les musulmans, l'islam, c'est une religion de paix. Et puis ça, c'est un respect mutuel, etc. Donc en fait, il faut s'instruire, il faut, pour savoir ce qu'est l'islam, il ne faut pas regarder les médias, etc. Il faut prendre les livres, et ce livre-là, c'est le Coran.